surprise numéro 2. Il se pourrait que mon idée soit totalement désastreuse. Vous ne devrez pas être surpris. On m'a donné une sœur le jour de ma naissance. Ma vie est un cauchemar depuis. Que personne ne bouge. Les sœurs McMollard vont se lancer dans un duel. Le nom de jeune fille de maman, c'est McMollard. Elle s'appelait Barbara McMollard. Voyons voir. Par quel petit jeu devrait-on commencer, hein? Ouh, pourquoi pas renversons le pingouin? C'est même pas un vrai jeu. Bien joué, Phoebe. T'ajouteras l'anniversaire de maman à la liste de ce que tu as gâché cette semaine. On ne va pas reparler de ton concert maintenant. Il faut qu'on découvre pourquoi les sœurs McMollard se détestent à ce point. Non, j'arrive pas à dire ça sans rire. Apparemment, tu n'as pas parlé de notre dispute à tes mini-super-héros. Je ne voulais pas qu'ils voient à quel point les relations entre frères et sœurs peuvent s'envenimer. Oh, je comprends. Je ne les laisserai pas voir ça. Merci. Doigt dans l'oreille. Mandy, Barbara ne va pas s'abaisser à ton niveau. C'est une femme mature et sage. Prends-toi ça, Mandy Madame. Je suis à côté de Hank. Je t'ai bien eu. Que ça veut dire que le dîner d'anniversaire de maman est annulé. Je vais jeter le gâteau. Oh, tu as perdu la tête? Non, je veux que vous alliez le mettre dans le frigo du garage et que vous restiez devant. L'important, c'est que ce gâteau soit en sécurité. Et nous, alors? Oh, si vous n'étiez pas important aussi, vous ne seriez pas responsable de mon gâteau.